arriver pour dire adieu à notre papa. On est là, on est bien reçu. Mais sauf que ce qu'on a quand même déploré, c'est qu'on mange trop. On a mangé les pizzas. Je vais juste ajuster ce qu'a dit l'ambassadrice parce que les images sont tenues à la présence de Paris. Donc c'est bien moi pour Armand de Portugal France. J'ai bien demandé aux serveurs et aux serveuses. J'ai bien vu tout pizza, tu es le goût. Le moment de Jean, selon l'inoué, tu as mis la bande de bagou. Je l'ai tué, hein. Tu as mis la bande de bagou. On a mangé les pizzas. Moi, j'ai mangé les pizzas aussi. Pizza de jambon. Moi, j'ai mis la bande de mayonnaise et de la danse à comprendre. Tu as mis la bande de bagou. On se lève, on est parti. On est venu pour pleurer, pour compatir avec la famille. Je n'ai manqué de rien. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Oh Jésus.
m'écoutes, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Et tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. L'Éternel qui délivre même les coupables, qui dévoie son salut à la pureté de ton main. Tu as un, 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 tu
Yeah.
C'est là, bon. Nous sommes à la veillée. C'est l'avant-dernier jour de la veillée. On est arrivé. On est bien reçus. Maman Nadine, vraiment, je ne sais quoi vous dire. Dieu donne toujours et puis il retire à son jour. La mort, quand ça arrive dans la famille, ça secoue la famille. Mais il faut savoir se surmonter. Voilà, aujourd'hui nous sommes arrivés pour dire adieu à notre papa. On est là, on est bien reçus. Mais sauf que ce qu'on a quand même déploré, c'est qu'on mange trop. On a mangé les pizzas. Même, je veux juste ajuster ce qu'a dit l'ambassadrice parce que les images sont tenues à la présence de Paris. Donc c'est bien moi pour Armand de Portugal France. J'ai bien demandé aux serveurs et aux serveuses. J'ai mis votre pizza à tous les goûts. Le moment de jeans, selon l'inoué, tu as la bande de bagou. Je l'ai tué, hein. Tu as mis la pizza à tous les goûts. On a mangé les pizzas. Moi, j'ai mangé les pizzas aussi. Pizza de jambon. Moi, j'ai mis le monde avec la mayonnaise et dans sa compagnie. Tu as mis la pizza, on se lève, on est parti. On est venu pour pleurer, pour compatir avec la famille. C'était juste pour rire. Un peu fort, tu as de quoi dire. Oh non, ça va. Ah ouais. Ça m'y va. Mais, ça m'y va. On va bien parler demain. Bon, on est là. On était bien accueillis. Mon Nadine, mon Nadine Yakos, vraiment, merci beaucoup. On est là. Comment l'accueil a été? Chaleureux. Chaleureusement. Du courage. Ok, bonsoir, bonsoir. Nous sommes à la veille, bon, comme vous le voyez. Donc, ça se passe très bien. Nous sommes ici avec l'ambassadrice, avec nos frères sapeurs. Donc, ça se passe très bien. On est ensemble. Mais sauf que si on amène encore la nourriture ici, on va on plus te lève, on est parti. On va plus boire aussi. On a beaucoup mangé les beignets, les pizzas, les sandwichs. À la veillée, hein? À la veillée. C'est pas le retrait de deuil, quand même. Hein? Un peu de modestie. Donnez-nous la nourriture à notre faim. Mais là, on est en train de déclarer. C'est trop. Oh, 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 oh
Chimake, chifumbu kumbake ma
Ah, 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 ah
je ne sais pas quand on dirait que Max va vous dire. Va vous arrivera bientôt au niveau de l'église. C'est à, nous sommes attendus là-bas à 13h. Donc je demande à tous les parents, comme je venais de dire tantôt, de procéder déjà au recueillement. Je commencerai par madame, la représentante du président de l'Assemblée, le chargé responsable de RDPS, et sa suite viennent les enfants, les beaux-parents, les tatis, les enfants tati et amis et connaissances. Je vous remercie. Madame Bouba Isidore, le représentant de RNPS, RDPS et sa suite. Vous allez m'excuser, je manque à vous. Thank you.
les parents. Fédération syndicale autonome des agents de la recherche scientifique et technologique, FESIAST. Hommage au président fondateur de la Fédération syndicale autonome des agents de la recherche scientifique et technologique. Dans ce discours de circonstance. Heureux ceux qui font du syndicat un grand sacerdoce pour le bien de tous et de chacun. Mesdames et messieurs, camarades syndicalistes, distingués invités, chers parents, dans la vie de tous les jours, on ne change rien à son destin. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, au nom du secrétaire général de la FESIGRAF, de la FESIAS que je suis, de l'ensemble du bureau fédéral, et de tous les travaux de la recherche scientifique, je vais devoir m'interdire de construire un narratif sur la mort, car face à la mort, l'homme se voit totalement limité, fragilisé, brisé et impuissant. Mes camarades, j'ai cité Tatis Kossodès Raymond Serge Alexandre, président fondateur de notre syndicat, la FESIASTRE, a tiré sa révérence. Il a quitté cette terre des hommes. La nouvelle de cette disparition a retenti en nous comme une forte explosion. Nous foudroyons absolument et nous plongeons dans une douleur sans nom. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers parents, si d'une part la vraie dimension de la mort demeure jusqu'à ce jour insaisissable, inimitable, incontournable, inexplicable, effroyable et indomptable, il ne demeure pas moins vrai que les hommes et les femmes les plus respectés et respectables s'élèvent toujours par l'effort. L'effort dans le travail et l'effort par le travail. Le travail bien fait. Notre brave camarade le président Tatis Kossodès faisait bien partie de cette race d'hommes, si rare, si solidaire que rassembleur. C'est la raison première de notre
présence en ces lieux afin de traduire deux choses. La première, celle de rendre un hommage mérité à un grand homme, un père de famille, un cadre émérite qui aura marqué l'histoire tant dans le domaine professionnel que celui du syndicat au Congo. La seconde, celle de témoigner au nom de la Fésiastre toute notre reconnaissance et présenter nos sincères condoléances à la famille éprouvée. Que de souvenirs avons-nous gardés de notre président? Mesdames et messieurs, chers parents, distingués invités, pour l'histoire, il sied de rappeler qu'il y a quelques mois, notre fédération syndicale faisait ses adieux à l'un de ses braves camarades des premières heures. J'ai cité le camarade Charles Mumba, disparu le 15 octobre 2023 à Brazzaville. Aussi, on est tenté d'affirmer que l'homme peut douter de tout ou tenter de tout oublier, sauf d'une chose, la mort, qui, soyons-en rassurés, représente notre destination finale, le terminus. Mesdames et messieurs, chers parents, heureux ceux qui, nuit et jour, font de la défense des intérêts communs leur seconde religion. Heureux ceux qui, au-delà des considérations ethno-tribales, permettent aux autres de s'épanouir en empruntant le grand ascenseur de la vie. Heureux ceux qui se dévoient corps et âme pour la vie et le devenir des autres. Heureux ceux qui font du syndicat un grand sacerdoce pour le bien de tous et de chacun. Beaucoup d'entre nous auront sans doute oublié ces paroles du président Tatis qui, lors du dernier congrès de la CSTC tenu à Brazzaville, déclarait « Tout syndicat qui n'est pas capable de répondre aux préoccupations majeures de ses adhérents n'a pas de raison d'exister. » C'est ce qui explique le fait que, tout au long de son parcours syndical, il a été un exemple vivant du rôle majeur que peut jouer l'homme dans l'histoire, le rôle de rassembleur et d'éclaireur. L'élogieux parcours syndical a été auréolé par la fonction de vice-président de la grande et puissante Confédération syndicale des travailleurs du Congo, la CSTC. Fonction qu'il a assurée avec abnégation, honorant fièrement notre fédération syndicale et notre corporation des chercheurs. Nous retiendrons également aussi que, pour la première fois à la recherche scientifique, un syndicat, celui créé par le président Tatis, avait fait recruter à la fonction publique plus de 50 de ses contractuels. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers parents, son courage, sa disponibilité et surtout son esprit managérial, dont la lutte syndicale était bien connue de tous. Aussi, sa méthode d'action a sauvegardé ce qu'il y a de meilleur dans la lutte syndicale, à savoir le sens de l'autonomie, le sens de l'engagement individuel et collectif, et enfin, le sens de la responsabilité face aux enjeux de l'histoire. C'est ainsi que la Fésiastre, qui constitue jusqu'à ce jour le bon syndical le plus représentatif au niveau de notre ministère, n'a cessé de mettre un accent particulier sur la nécessité d'une interaction constructive entre d'une part les travailleurs et de l'autre l'employeur principal qui est l'État. L'histoire retiendra que le président Tatis ne se tenait nullement pour un prophète ou un gourou charismatique investi d'une mission transcendante. L'histoire retiendra qu'il ne voulait seulement être un éveilleur de conscience et de force à soutenir. Retiendra qu'il avait toujours cherché à vaincre, non un adversaire, mais à vaincre l'injustice qui empêche de satisfaire un besoin humain fondamental, notamment les droits et libertés reconnus aux travailleurs. En 2006, en compagnie de quelques braves camarades de lutte, président Tatis, ton vrai tombeau n'est pas dans la terre, mais dans le cœur de tes camarades syndicalistes, et sans doute ton aimé.
Adieu, cher président. CSTC, lutte, solidarité, victoire, je vous remercie. Thank you.
Que le soir dans le royaume de Dieu, Père de toute vie. C'est avec vous, sa famille et ses amis, que nous allons vivre cette célébration. Thank you.
chapitre 24 du verset 13 au verset 16, puis du verset 28 au verset 35. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entre donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Raymond Alexandre qui nous a quittés. Vous voyez comment Dieu ne fait pas des choses au hasard. 3 jours après la mort de Jésus, 3 mois après la mort de maman Jeannette. Chers frères, chères sœurs, la mort, encore la mort, vient de frapper à la porte de notre famille, nos yeux. Ce vide est toujours irremplaçable. Et c'est donc ce vide irremplaçable qui nous réunit en ce lieu. Et en ce lieu donc, je dirais, nous célébrons la vie terrestre vers la vie céleste. Alexandre s'en est allé. Nous avons vécu avec lui pendant des longues années. Beaucoup de souvenirs qui resteront certainement indélébiles dans le cœur ou encore dans la vie de tous et de chacun de nous ici réunis. Mais ces souvenirs ne vont jamais s'effacer. Et puisque ces souvenirs ne vont jamais s'effacer, telle est donc notre présence ici pour accompagner notre frère et aussi pour manifester, je dirais, notre compassion à cette famille, la famille Tati Kosodès. Cette vie pour lui certainement est symbolique. 3 mois après la mort de sa mère, ils sont nés. Cette fille, pas cet enfant, mais cette fille que nous allons célébrer en ce moment, en demandant tout simplement au Seigneur de ne pas compter les erreurs de son serviteur. Nous ne nous attardons plus à tous ses manquements, mais de lui ouvrir les portes du royaume. Les disciples d'Emmaüs ont séjourné à Jérusalem où leur maître a été tué. Et ils repartent donc à Emmaüs tout découragés. Et comme on nous l'a dit, Emmaüs est situé à quelques kilomètres de Jérusalem. Ils repartent tout tristes parce qu'ils se disent entre eux, le maître s'en est allé, qui pourra remplacer notre maître? Et au moment où ils s'inquiètent sur la route, le maître à pleurs apparaît et il veut savoir de quoi ils discutent en cours de route.
Et les disciples sont donc contrariés en disant à ce monsieur qu'ils ne connaissent pas les yeux humains. Tu es le seul qui ignore ce qui s'est passé à Jérusalem. Et beaucoup aussi parmi nous, peut-être étaient ignorants de ces mois qui ont séparé le Christ vient pour nous révéler. Il n'y a eu que 3 mois. Et tout est symbolique. Donc, la question aux disciples de Jérusalem et aux disciples de Emmaüs, excusez-moi, ils vont donc répondre tout attristés que Jésus chemine toujours avec nous, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans le découragement, que ce soit dans la maladie, que ce soit, Jésus est toujours venu prendre par la main. Et donc, en marchant avec les disciples d'Emmaüs, ce compte pour celui qui est là avec nous, c'est sûr et certain, il va passer de l'autre côté de la vie. Et si on avait ce pouvoir, on pouvait aussi dire au Seigneur, « Seigneur, ne nous prends pas notre frère Alexandre, mais accorde-lui peut-être la grâce de la guérison. » Mais puisque les projets de Dieu sont insondables, nous pouvons demander au Seigneur, mais lui, il a déjà établi quelque chose pour tous et pour chacun. Et donc notre pèlerinage sur cette terre des hommes a un début et le même pèlerinage a aussi une fin. Mais entre le début et la fin, à chacun de nous de pouvoir écrire avec des lettres d'or sa vie sur cette terre des hommes, la paix du Christ. Puisque le Seigneur, au jugement dernier, il va donc nous juger par rapport à nos actes. Et la première question certainement que le Seigneur va nous poser, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Venu à Pointe-Noire pour pouvoir enterrer sa mère. Mais malgré sa maladie, il n'avait pas eu le temps ou encore cette grâce d'accompagner sa mère dans cette église. Il n'a pas eu cette grâce d'accompagner sa mère à sa dernière demeure parce que lui-même est déjà touché par la maladie. Mais déjà son déplacement a montré qu'il avait de l'amour et de la compassion pour sa mère. Et c'est donc cet héritage qu'il veut laisser à chacun de nous, donc à Emmaüs, l'amour pour leur maître, l'amour que notre frère avait pour sa mère. Donc nous devons orienter notre regard vers cet amour. Je suis dit à toi, dit, « Ma commence, mon mouti, mon capaménage. » Tout ce qui m'a coincé, bimbo les carrières, ce qui est caché, je fous au bal, je vais bouda. Et il m'a dit, je fous au chapitios. Ni perso, t'as qu'un code mon bimbo. Des deux mois, t'as qu'un car, mon chien, un dit, t'as qu'un coin de mon moyen. Ni poussé sur le couvert, si le pays, il t'a qu'un main. Tout fouet, il finit pour Samila. Mon luti l'eau, si tiens, dit. Vous voyez que vous savez là, vous vous foutez, vous avez dit. Mon moubi, mon doué ça, mon moubi, vous les cantes. Tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Et d'abord, on va le montrer, c'est un peu ça. Mais si ma ou ma chibouka, nana pour Jésus. Et les chines vont dire, d'abord, on va pas. Vous voyez que vous chibouchez pour le messe. Pour la presse, pour la France, pour l'imprimer sur mon roi et pour mon lit. La bouche pour la bouche de mon lit, la bouche pour la tienne, pour les couvriers. Oui, j'ai moyen de couler, car j'ai costaud, Raymond Alexandre, Naoubanzo, dit tout le monde. Aujourd'hui donc, notre frère devient celui qui va intercéder pour la famille éternelle. Je vous dis que par ceci est ressuscité pour chacun de vous. Nous allons donc une fois de plus, son serviteur dans son royaume, là où il n'y a plus de plus.
qu'il nous prenne par la main et qu'il nous entraîne avec lui vers le chemin de la vie éternelle. Amen. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Afin qu'il ne se croie jamais abandonné de Dieu. Ensemble, prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Aujourd'hui dans la peine, plus spécialement pour ceux qui reviennent de France, pour ceux qui reviennent de Brazzaville et d'ailleurs, et pour ceux qui pleurent aujourd'hui, notre frère Raymond Alexandre, ensemble prions. Seigneur, Père,
très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta bonté, Seigneur, sur toutes les personnes qui souffrent de par le monde,
Ta bonté, Seigneur, sur tous les malades qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux. Ta bonté spécialement sur cette famille lourdement éprouvée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Père, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis la fertilité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que cette Eucharistie permette à notre frère Raymond Alexandre de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Il y a un mot pour la famille. L'État a une fois de plus triomphé sur nous en rappelant à Dieu, notre frère, homme, père, grand-père, Raymond Costolès Tatis, le lundi 4 mars 2024, à la suite d'une longue maladie. Pour savoir ce qu'était l'homme, il faut faire la révision de son histoire. Raymond, c'est au 23e jour, au mois de janvier 1957, après Troyes, que sa volonté divine, dès des parents géniteurs, feu Tati Alexandre, feu Bumba Janet, fut manifestée dans ce monde. Il était le 5e frère dans une grande famille comptait 25 enfants, dont 9 filles et 16 garçons. Père en 1973, marié en 1982, puis veuf le 22 septembre 2022. Scolaire primaire à l'école Vouvou à Pointe-Noire, secondaire à
Brazzaville, universitaire à Moscou, où il obtient son diplôme supérieur en documentation archivistique jusqu'à sa vie professionnelle et politique. Il était un jeune adolescent, vaillant, brillant, éclairé et cultivé, souriant. En 1983, il rentre au Congo, intègre la fonction publique, plus précisément au ministère de la Recherche scientifique et géotechnique, où il occupe plusieurs postes à 1914, en 2014, directeur du patrimoine et de l'équipement. Raymond était un homme, un idéal. Il avait le sens de l'engagement pris. Il crée la Fédération syndicale autonome des agents de la recherche scientifique et technologique, en sigle FESIA-ST. De sa vie politique, militant des premières heures du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, en sigle RDPS. Il était le premier jeune de la Fédération jusqu'en 1997. De nos jours, il est membre du comité directeur du parti RDPS. Raymond, tu es venu à Pointe-Noire pour un petit repos. Question de changer d'air. La mort de maman te surprend le 17 septembre 2023. Et voilà aujourd'hui, tu nous quittes d'une manière inopinée. Ta disparition est une grande perte au sein de la grande famille. Et les collègues, car le fruit d'une grande famille qui est la nôtre, aurait mûri davantage et vieillir tel fut notre souhait. Mais hélas, Dieu donne, il sait le moment du départ de chacun de nous. Il a su que tu nous quitteras à l'âge adulte. Puisse ce Dieu vivant te garde avec lui, comme il a fait avec d'autres membres de la famille qui t'avaient précédé. Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Que Dieu le Tout-Puissant, par Jésus-Christ, t'accueille dans son royaume de cieux. Adieu, Raymond. Que ton âme repose en paix. Ta grande famille, Custodes Tati. Et que tu ne reviendras plus jamais. Tu nous manques à notre vie où tu as laissé un grand vide. Repose en paix, cher papa. Alexandre, voici cet ensemble. Qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Et
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui le désirent peuvent maintenant venir bénir le corps de Raymond Alexandre ou se recueillir en signe de dernier adieu.
avec l'eau qui rappelle le baptême, que la prière de tes amis et de ta famille rassemblée autour de toi et l'amour du Christ qui a triomphé de la mort t'obtiennent de connaître maintenant et pour toujours la paix et la joie des fils de Dieu. Amen. Amen. Raymond Alexandre, jusqu'en paradis que les anges te conduisent, à ton arrivée que les martyrs te reçoivent et qu'ils t'introduisent dans la cité du ciel. Amen. Amen. Raymond Alexandre, que le cortège des anges vienne t'accueillir et comme Lazare qui mangeait à la porte du festin, entre dans l'éternel repos. Amen. Amen. Ouais. Tiens le petit appareil, viens tenir. Un peu ça. Jusqu'ici, Raymond Alexandre, prends-le avec toi. Et trouve auprès de toi le bonheur et la joie avec ceux qui sont déjà dans ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. On va partir du souci. Vous allez la bouler. Mais oui, on devait la paix, ben ils vont la charger à combien? Pas beaucoup. Merci. Oui, c'est mieux par vous. Là, le fleur là, ça peut aller où? La fleur, elle sert que. Elle est à la tâche. Quoi? Ne mets pas la main là-bas. J'ai l'ami qu'on fout dans la fleur. Ou alors tu mets ça là. Apparemment, il a déjà. Il faut le chercher.
les autres, on avance. C'est bon. Maintenant, on va. Soulève d'abord. Non, je demande les gens ici. Papa, viens, mettez-moi ici. Est-ce que. Là, c'est pas bon déjà. Moutre que là, on gagne. Moutre que là, on gagne. Attention. Tu peux pas quoi? C'est bon. Avec nous, on dit aussi le bon. Où j'étais.
Tu vas faire quoi avec? Sors le sachet. Sa nappe là, sors le secret. Tu vas faire quoi avec? Sa bague. Bon. Comment tu fais? Je mets toujours ta peau. Adieu mon gars. Aïe, mais vous gagnez vous déjà chez ma mère. Ah, je suis na fiuti parce que na katikati ya betu nyoso wa betke na bakoko betke na ba mama ayike ko avendinga no putu etlen zonza venalu putu nya betke zonza na ndinga ya bwala metetetet na ki Congo ben lembuki la munu me kutonda ben mingi na nyoso bin ben me kusala na na nzuto ya leke ya munu. Il ne met là wa baba ne sa ba passi ba passi que ce même wa da wa ben ne sa ba ton ben ne sa ba ça to na veye ya di ma sukina yan bet ko tebet me ko en bika yan bet me ko tonda usi beno ben lembu ki la beto. Yayi yake mambo inyoso ya meku manisa yake jaka ve veye ya bubi yayi ba inike bikana wa kaka babana babu kilo bukebe manisa ba mambo nyoso na katikati ya lumingu
baya kaka baini kena ba bakela bawo baini kena ba kentu bawo il faut ba kufutika bawo a konte ya gubu yaina kokila yai balen kwenda bawo na bayizo na nyoso to betme kupesa bawo matondo mi zambi vwanda na bawo na twala kote kote ni kote ba ke kwenda ba kuma osi mbote yawi na mekuzonza ke kukanisa jack jambo ya kaka ben na kuzabisa bawo maison za bayina mesimba beto na maboko ya kwanda babokilo ya kwanda bakamala ba kwanda yima ikatuna paza vile bayina malendo kwanda tete fioti betke na mampolo na kuzabisa bawo ya wi na moyo kwanda na muno meza bisabeno abu Je recevais tout le monde. Ma fille va voir toi qu'elle filme. Pas là, je pas. Sanza ya ba souvenir nyonso oyangai ya mabe kosambela yango nde bomoi
Sinanga yo kimole, mote me bungi si pe manaye.